C'est mon premier défilé avec Ricardo. Ouais. Donc là, on s'est rencontrés quelques jours avant le défilé. Ricardo m'a montré des croquis, des matières, des textures. Et ce qui est formidable avec Ricardo, c'est qu'il a une idée très très précise de la femme qu'il a envie de voir sur le runway. Donc avec quelques mots, quelques images, en fait, il m'a expliqué exactement l'idée d'une femme très précise et assez minimaliste au niveau du maquillage. Il a un petit goût pour le gothique, donc c'était forcément le teint pâle. Moi, j'avais envie de matière très mate sur le visage. Donc la combinaison des deux a fait que le teint est pâle. Au début, lui, il voulait un maquillage rien, hormis la peau. Et moi, je lui ai proposé de rajouter un brun, une couleur de terre un petit peu, de bois, pour donner un peu de contour, pour donner encore plus de pouvoir au visage. Et les lèvres, je les ai effacées avec une petite couleur de fond de teint. Et avec la même poudre que j'ai utilisée pour le contour du visage, je l'ai utilisée sur les lèvres. Un glaçon, deux canettes de coca, deux bouteilles d'eau minérale, quelque chose, n'importe quoi qui sort, un produit congelé qu'on attrape du freezer, c'est la meilleure chose. Can you hold it down? That's okay, she's fine. That's fine, no, you don't. Okay, not too tight. It's okay. You pull it down. On est trop tôt? À peine. Bah, tu m'avais dit. Non, mais. Je t'ai dit 8 heures, très moins pour toi. Non, mais ça va. C'est les erreurs, non? Est-ce qu'il en a fait une? Il n'en a fait aucune. Il est très très dur avec lui et il a été un parcours sans faute. Vraiment magnifique, ouais. Pourtant même ces feuilles mortes par terre, c'était difficile à marcher, mais les filles l'ont fait remarquablement bien. On avait un petit peu chaud pour elles, mais c'était vraiment très 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 joli. C'était en même temps facile à porter et en même temps assez incroyable pour de la couture. C'est difficile de réussir à faire ça en même temps. Thank you very much.